Tu répondis, j'ai un appel. Ah, je peux répondre pour toi. Passe-moi l'appel. Hello! Pourquoi tu fais des loves? Pourquoi je fais des lives? Parce que j'aime toujours avec le monde. J'étais voir ici qui apparaît en gros dans le haut de ton site, info bref. Ah! Pourtant, c'est un peu de tout, là. Pourquoi je fais des lives? Parce que j'aime vraiment ça, genre avec le monde. On échange. Bon matin, GF. Non, à la question, j'ai un appel. J'ai pas entendu si t'as. Ah! Ah! C'est quoi ta job? Je suis créatrice de contenu pour adultes sur une plateforme genre celle-là. J'engendre des débats et des conversations de société, politique, économique, peu importe, sur les TikTok. J'ai une page Patreon où j'échange vraiment plus au niveau de la géopolitique internationale. Puis, j'ai une page Instagram où je suis plus genre la Instababe, genre. C'est ce que je fais dans la vie. Puis Costco, en Costco, ça a bien été, il n'y avait pas trop de monde. J'étais vraiment contente. J'ai tout trouvé ce que je voulais. Ça a été vraiment une grosse épicerie. Ça coûte cher quand même, hein? Mine de rien, là. Quand on dépasse le cap du 400, là, je suis comme, wouh! Are we gonna eat all this? Mais ouais, ça a été une grosse épicerie. Wow! Je vais vous tourner, je vais me préparer du café parce que je te ferai pas ma journée. 400 pour combien de semaines? Combien de temps? Une semaine et demie. Ça va être une semaine et demie d'après moi. Oui. Ouais, à peu près une semaine et demie. Par rapport à 450 au Costco, ouais. 400 et plus, ouf l'enfer, c'est quelque chose. Puis tu sais, on y va, c'est ça, on y va de 2 à 3 fois par mois. Fait que c'est entre 800 et 1200 par mois pour 3 personnes. Fait que moi, les gens qui disent qu'on peut faire l'épicerie là avec 75$, là. Don't think so. Quand même, ouais, quand même. Mais tu sais, on achète en bulk, on mange santé, juste les fruits, là. On a un petit peu, je vais vous montrer un exemple, là. Ça, c'est 12 piastres. Là, il me reste juste le petit, là, mais ceux du Costco, c'est le double, 10 piastres. Fait que t'es à 22 piastres juste pour ça, là. Les framboises puis les poivrons, là. 22 piastres. T'es à 27 piastres par semaine qui disent « Oh! Oh! » Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Vous avez vu ce que j'ai pour 25 piastres, là? Que mange pas longtemps puis gros gros pour 25 piastres là. Ah c'est ça. Une soupe de glace le reste de la semaine. C'est hallucinant. Mais tu sais, on achète mettons des paquets de dinde hachée, ça vient en 4 paquets de dinde hachée, ça c'est genre 35 piastres. Moi j'achète des saucisses italiennes, c'est un autre 30$ pour le paquet de saucisses italiennes. On achète du brocoli congelé, c'est une affaire de 24 piastres pour 4 sacs de brocoli congelé. Et on achète des blancs d'œufs, parce qu'on mange full blanc d'œufs ici. Hier, tu vois, j'ai acheté 6 paquets de blancs d'œufs. Juste ça, là, les 6, c'est 70$ pour la boîte de blancs d'œufs. Ça va vite, là. Mais on fait attention à nos portions, on fait attention à ce qu'on mange. On veut manger santé, fait que ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte 25$? Apparemment que selon quelqu'un chez TVA, tu peux manger pour 25$ par semaine. Genre 100$ par mois, là, t'es correct, t'es gros dur, là. J'imagine que t'es gros dur si tu manges crabe d'honneur, saucisse, ketchup all day, every day, là. Mais si t'es comme nous, puis tu manges de la viande, tu manges de la protéine, tu manges des fruits et des légumes, puis tout ce qui en suit. C'était un politicien qui disait qu'on pouvait faire une épicerie familiale pour 75. Oui, il y a quelques années de ça, puis c'est la source que j'aime bien utiliser parce que je me dis ça, c'est sûr que c'est un politicien qui va dire ça. C'est pas un contribuable certain qui peut dire qu'avec 75$, tu peux faire une épicerie familiale. Il est rendu à 20$ le sac de brocoli. Dans mon coin, il est à 16. Mais nous, c'était pas. Moi, c'est comme la boîte, tu comprends? Dans la boîte, t'as 4 sacs de brocoli. Ça me coûte minimum 150-200 par semaine juste en bouffe. Voilà. Voilà, c'est François Lambert, c'est ça. François Lambert qui avait dit ça. Mais c'est pas. C'est un journaliste? Ah, ça fait mal. Qui est François Lambert? La misère.
Et t'es bien, on dit que c'est impossible de le faire. Moi, c'est un sac avec des sacs de brocolis. On n'a pas la même chose. Couillard avait répondu à ça, mais c'est pas Couillard, un entrepreneur québécois. Ah oui, merci. Coucou, brochettez pas! Un entrepreneur. Il me semble que c'est encore plus insultant.